Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur les antennes digitales Congo Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de ce journal de sport qui sera largement consacré au football, mais nous aurons également un invité qui est déjà sur ce plateau d'ailleurs. Il s'appelle Maître Frédéric Kwamba Chingez, il est le président de la Fédération Congolaise des Kyokushin Kaikan. Maître, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour et merci. Et c'est pour la première fois que nous vous recevons à Digital Congo et c'est un plaisir pour nous. Plaisir est partagé. Alors, nous vous gardons parce que nous aurons à discuter avec vous autour de cette discipline qui est les Kyokushin Kaikan, mais pour le moment, place à l'actualité sportive et avec le championnat national de football de la RDC, première division, et cette victoire de l'ASV Club de Kinshasa, plutôt large ce mercredi, devant l'équipe d'étoiles du Kivu, match qui s'est soldé sur un score de 3-0 en faveur de Moscovitch, comme on les appelle. Des buts marqués par Eli Panzou sur penalty, ensuite Jonathan Ikagalomo et Imana Lute ont été les buteurs de cette rencontre qui s'est soldée sur cette victoire qui permet à VEC Club de franchir une étape et donc d'occuper actuellement la deuxième place au classement provisoire du groupe B avec 24 points. À ces propos, nous allons nous rendre au stade des Martyrs où Joseph Bahati a suivi pour nous cette rencontre et il va donc nous donner le détail par rapport à celle-ci. L'AS Vita Club s'impose dans un match plutôt facile ou prenable parce que l'équipe s'est mise à l'abri dès les 45 premières minutes, 2-0. Alors grâce à ce joyau, à ces pépites, je vous cite notamment un but de Elie Mbanzou sur penalty. Il a été limité quelques minutes après par Jonathan Ikagalomo à 2-0. On voyait mal une équipe de l'étoile du Kivu revenir au score. On imaginait le discours de l'entraîneur André Kona, ça devait être compliqué. Ça l'a été, on l'a vu malgré les changements qui ont été opérés. Il n'y aura pas de réduction du score et plutôt c'est Vita Club qui va obtenir son alourdissement. Et 3-0 au bout donc, de ce match, plutôt qui était beau à suivre avec beaucoup de sens de possession de l'AS Vita Club. Et voilà, donc c'était une victoire, je le disais, très importante parce que Vita Club est désormais sous une nouvelle tunique avec l'appartenance désormais à cette société, le contrat qui est en train d'être finalisé. Il fallait donc gagner, se l'assurer et mettre un bon bond. Après le départ de Bestin Kassadi, c'était le premier match depuis que le comité Bestin a été remercié de l'AS Vita Club. Voilà, un match également capital pour l'AS Vita Club, parce que ça permet désormais au Moscovite d'avoir la deuxième place avec 24 points et devant l'AS Dauphin Noir désormais. Et voilà, de laisser de trois longueurs désormais le rival du Daring Club Mbote Mapembe. Pour le FC Étoile du Kivu, c'est un score plutôt logique.
il faudra regretter plutôt les points qu'on a laissé filer face à la Renaissance du Congo et puis face à Darren Fleur Motema Pembe dans des conditions évidemment pas très catholiques. Voilà. Et en rapport avec l'ASV Club, il faut savoir qu'il est destitué au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le week-end dernier ici à Kinshasa. L'ancienne présidente de coordination de cette équipe, Bestine Kazadi, remercie tous les supporters de V-Club pour les moments de joie et des difficultés traversées ensemble. Par ailleurs, elle réitère son consentement à la venue du partenariat turc pour financer l'équipe tout en exprimant sa détermination à servir l'intérêt suprême de V-Club en dépit de sa déchéance. Je vous propose de l'écouter. Banabea, chères sœurs et frères de la grande famille Vérénois, cela fait près de 4 années que nous avons traversé ensemble de grandes difficultés et d'intenses moments de joie. Grâce à vous, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de V-Club, ma famille de sang, dont je continuerai toujours à souhaiter le meilleur. Je voudrais encore réitérer, chers sœurs, mon consentement à la venue du partenariat turc, ayant comme but de contribuer au financement de notre club, dont ma seule préoccupation a toujours été d'en garantir les intérêts. Également vous rappeler que V-Club possède une valeur marchande à prendre en considération lors des négociations. Nous avons reçu au travers du Conseil suprême une lettre d'intention pour la mise en place d'un partenariat entre une société Wisport SARLU en formation et l'ASV Club Omnisport ASV. Les termes de ce partenariat sont les suivants. Je cite, car proposons de créer une société commune dénommée ASV Club Wisport, dont les actionnaires seraient composés de la société Wisport et sa réduite formation avec 90 actions, soit 90%, et la SV Club, 10 actions, soit 10%. La société Wisport et sa réduite en formation apporterait le financement nécessaire au développement de la société créée, et la SV Club Omnisport procédera à la cession de son patrimoine à la société créée, et ce, comprenant sa marque. À ce propos, j'avais jugé de ça de la valeur de notre club, les 10% nous apportent. Par conséquent, je voulais ouvrir les négociations de façon à obtenir 2% au bénéfice des clubs et des garanties pour protéger notre patrimoine commun. Également l'achat d'une équipe de football féminin, exigence de la FIFA, et aussi l'enregistrement de 50 joueurs des équipages, des juniors et des espoirs, auprès de FIFA Connect, devenu par conséquent des acquis par amour avec ma famille de sang, par respect pour mes parents du Conseil suprême, par devoir aux supporters avec lui. Par devoir aux supporters. RDC Papi Kimoto a félicité ses joueuses pour avoir respecté ses consignes. Néanmoins, il souhaite que les léopards seniors dames soient mieux traités pour une bonne participation à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Maroc 2024. Et il a dit lors de la conférence de presse d'avant-match, je propose de suivre donc cet extrait qui a été choisi par Benitang. Au moment où on savait le point faible de l'adversaire, moi je les ai dit d'être calmes. Les étaient calmes, ça va les dire parce qu'on dominait le match. On contrôlait, on avait le ballon avec nous, on venait tout le jeu. Et je savais que ça allait tomber parce que Dieu aussi est juste. Mais je suis content qu'ils ont revenu au score et qu'ils ont gagné, ils ont arraché la qualification. Comme je dis hier, l'argent ou pas, ils vont se mouiller. Motivation ou pas, pas de liste d'autorité, il n'y a pas de problème. Et heureusement, Dieu merci aujourd'hui, Naïe, l'appel déjà. La première dame nous a appelé en bus parce que c'était même compliqué pour aller avec les jeunes filles au stade. Ils ne voulaient même pas venir. Ça, c'est une histoire où on a géré, mais c'était vraiment compliqué pour tout le monde. Je tiens vraiment à le signaler. Je compte vraiment sur vous. Allez faire du bruit parce que c'est vous les médias. Il faut que les filles soient bien traitées.
Franck et les filles. Ils ont choisi de jouer au football. Il faut que tout le monde regarde bien ce qui se passe là. C'est pas bien, c'est pas pour avoir, pour à vivre. Voilà tout ce que je peux dire. Je suis content. Les félicitations se sont bâties courageusement. J'espère qu'ils vont avoir le temps et les moyens nécessaires pour préparer la CAN. Comme. Et le message de l'entraîneur pour en ce qui concerne les soutiens au Léopard a peut-être déjà trouvé écho, car le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports et Loisirs, promet d'accompagner les Léopards Seniors d'Armes pour la préparation de la prochaine CAN prévue au Maroc en juin 2024. Représentant le ministère des Sports, les directeurs de cabinet, Eric Kachala, s'est adressé aux joueuses après la qualification, donc après cette rencontre, c'était dans le vestiaire. Je vous propose de suivre donc ces propos du directeur du cabinet et du ministre des Sports, François-Claude Kaboulou. Félicitations au nom du président de la République, au nom du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samba, au nom du ministre Kaboulou, moi, la Kaboulou, nous tenons personnellement à vous féliciter. Nous sommes conscients du contexte dans lequel vous avez joué ce match. Nous sommes conscients que ce n'était pas facile. Nous sommes conscients des discussions qu'on a eues par rapport aux primes de deux matchs qu'on est en train de résoudre. Hein. Et je tenais vraiment à vous rassurer, au nom du ministre Kaboulou, que nous travaillons de manière à ce que nous puissions élaguer tous ces soucis que nous avons connus. Pour la préparation de la Coupe d'Afrique au Maroc 2024, le gouvernement s'engage à travailler étroitement avec la fédération de manière à préparer, à prévoir des stages de préparation, un peu comme on fait avec les équipes masculines. On fera la même chose avec vous. Et encore une fois, nous félicitons. Ça fait, je pense, depuis 1998, que nous avons aligné deux équipes nationales en Coupe d'Afrique la même année. C'est vraiment un record et je tenais personnellement à vous féliciter pour cela. Félicitations. Et en ce qui concerne cette phase finale de la CAN au Maroc 2024, on connaît les 12 pays qui sont qualifiés en phase finale. Il y a en dehors du Maroc qui est le pays organisateur, la République démocratique du Congo, le Sénégal, il y a le Mali, il y a l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, les Botswana, la Tanzanie et la Zambie. Et je vous rappelle que pour cette édition ici, ça sera la 15e de la série. Et la RDC sera à sa deuxième participation seulement. La première, c'était en 2012, et c'est presque 10 ans après que le pays retrouve donc le chemin de cette phase finale d'une CAN d'âme de football. Allez, en basket, le BC Terreur chez les messieurs et le BC Senses dans la version féminine ont été sacrés super champions 2023 de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Cette super coupe disputée le week-end dernier a précédé le démarrage de la nouvelle saison sportive dans la capitale. Arthur Luango, qui est le président de la fédération, ou plutôt, je voulais dire, le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, s'est exprimé à l'occasion de la clôture de cette super coupe. Je vous propose de l'écouter. Qui ont participé aux femmes qui sont venus suivre ce volet et surtout à tous les partenaires, Tiken Alaï qui va accompagner la Ligue pendant toute cette saison et la maison Saint-Athès de Christian Pontois qui s'est porté parent pour venir les maillots aux meilleurs marqueurs et marqueuses de la finale. C'est la première édition de cette super coupe de Kinshasa, mais ce ne sera pas la dernière et nous allons faire mieux la saison prochaine, lors de la fin de saison. Et nous invitons nos fans à l'époque de les Kinshasa. Et nous allons essayer de notre mieux pour offrir du beau spectacle cette saison qui va commencer le 4 janvier 2024
ici même et nous faire sur ce terrain. Merci beaucoup et la fête était totale. Merci à tous d'avoir été présents. Nous vous disons merci et bonne fête. Et notre invité du jour, Maître Freddy Kwamba Chingez, bon, Frédéric, Freddy c'est pour les intimes, mais bon, Maître Frédéric Kwamba Chingez, président de la Fédération Congolaise des Professions du Taïkan, vous êtes toujours avec nous. Alors on voudrait d'abord bien cerner un peu cette discipline, c'est quoi les Kyokushin Kaïkan? Et c'est quoi la différence avec d'autres arts martiaux? Oui, de nouveau. C'est l'un des styles de karaté. Ouais. Alors, la différence est que quand on parle des différents styles, ouais. C'est-à-dire que chaque style a sa méthodologie. Tout à fait. Chaque style a son approche, chaque style a ses techniques au niveau des combats, au niveau de l'arbitrage. Et dans les Kyokushin, vous allez constater que c'est vraiment le karaté d'origine. Vous voyez que les combattants sont sur le tatami sans gants, sans protection. Oui, d'ailleurs, on peut le voir. Ça montre que et les coups que l'on donne sont des coups directs et des vrais coups. Et pas comme dans d'autres styles où, avec l'olympisme, on a essayé d'assouplir les coups, éviter des chocs aux athlètes. Mais ici, ce sont des combats réels. C'est une discipline qui s'apparente au MMA. Okay. Hein? Quand vous suivez un combat de MMA, c'est presque la même chose, mais l'unique différence est que dans les Kyokushin, il n'y a pas de saisie. Alors Maître, nous arrivons pratiquement à la fin de l'année 2023. Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne cette discipline qui est le Kyokushin Kaika? Oui, nous allons retenir qu'il y a eu un réveil, parce que avant 2023, on parlait presque plus du Kyokushin. Okay. Mais depuis le mois de janvier, parce que nous sommes en fonction depuis décembre de l'année passée. L'année 2022. Oui, et depuis notre entrée en forum jusqu'à ces jours, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, on a parlé du Kyokushin. Parce que dès l'entame, nous avons commencé par des déplacements dans les provinces pour aller réveiller les ligues qui dormaient et les ligues qui ont existé en son temps et qui n'existaient presque plus, aller renforcer les ligues qui existaient et qui résistaient également pour ne pas disparaître. Ouais. Et au finish, nous avons abouti à l'organisation de notre championnat national, édition 2023. Justement. Qui s'est très bien déroulé, avec brio d'ailleurs. Oui. Et dans quelques jours, deux ou trois jours, si je ne m'abuse, donc au 9, nous avons notre assemblée générale, ou deux assemblées générales, donc l'ordinaire et l'extraordinaire, qui sera d'ailleurs élective. Vous avez parlé tout à l'heure d'un championnat national, ou Coupe du Congo, à laquelle nous avons participé personnellement. J'y étais et j'ai vu que c'était une réussite. Félicitations. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que cela a apporté sur les plans sportifs, selon vous? Oui, premièrement, on parle de cette discipline. C'est un apport. Parce que chaque fois sur votre plateau, vous ne parliez pas du Kyokushin. C'est aujourd'hui que vous en parlez, c'est-à-dire qu'il y a eu un apport. Des deux, les athlètes qui étaient en train de trouver la discipline, aujourd'hui, sont revenus à la maison pour continuer avec la pratique du Kyokushin. Il y a eu des gens pour la première fois qui n'ont jamais touché à une médaille, mais qui ont eu la chance de toucher à une médaille. Il y a eu ceux-là qui se sont déplacés des provinces vers Kinshasa, qui ne croyaient pas qu'un jour ils pouvaient venir compétir ici à Kinshasa. Et de leur retour, vous avez suivi les images de Mbujimayi, le retour de l'athlète qui est venu, comment elle a été accueillie par les autorités de la place. Vous avez suivi les Sud Kivu, comment ils sont rentrés avec leur coupe trophée de troisième place. Ouais, ouais. Donc ça a bougé un peu partout au Congo, uniquement parce qu'il y a eu un comité en place qui a décidé de réveiller
une discipline qui est en train de mourir dans sa propre chair. Réveiller une discipline, c'est aussi mettre à jour les athlètes, mais également les techniciens, les arbitres et tout ça. C'est vrai que vous êtes là, ça ne fait pas longtemps. Hein. Vous parliez de l'année 2022, décembre, et donc là, pratiquement, ça doit faire une année ou encore quelques mois. Oui, j'aurai une année dans quelques jours ici. Alors, mais comment vous vous organisez, ou bien comment comptez-vous vous organiser pour arriver à mettre à jour justement les athlètes et les techniciens? Nous sommes les habitués des arts martiaux. Pour votre information, j'ai commencé... Parce qu'il semble que ça évolue à tout moment, le règle et tout ça. Oui, évidemment. C'est-à-dire que personnellement, en tant que sportif, je suis pratiquant jusqu'à ces jours. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé les sports au moment des fonctions au niveau de la fédération. Et la gestion également, j'ai géré plusieurs fois des structures sportives. Donc, avec l'expérience que nous avions, nous avons essayé d'organiser, vous avez suivi qu'au moment de notre championnat, nous avons organisé des séminaires techniques où il y a eu des renforcements des capacités au niveau de l'arbitrage, les renforcements de capacités au niveau même des techniques des combats. Parce que, comme vous venez de le dire, chaque fois il y a évolution au niveau de l'arbitrage, au niveau des combats, il y a des coups qui sont prohibés, qui existaient en son temps, qui étaient qualifiés des coups réguliers. Mais par après, on peut juger que ces coups sont exclus pour des motifs peut-être d'accident ou de choc imprévisible. Et il fallait mettre à jour les compétiteurs. C'est-à-dire que nous les avons gardés pendant une période qui a précédé les championnats, afin de les mettre à jour. Les arbitres également, il fallait, parce que ça fait des années que les championnats n'étaient pas réellement organisés, il fallait que les arbitres aussi soient recyclés et mise à niveau. Alors, au niveau international, est-ce qu'il y a-t-il eu participation au cours de cette année en termes d'athlètes ou de dirigeants de la fédération? Non, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on vous parle des raisons. Oui. C'est-à-dire, nous avons fait notre, nous avons joué notre partition, c'est-à-dire nous sommes une fédération. Pour les championnats au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons aligné les athlètes qui devaient partir, nous avons mis les moyens qu'il fallait. Nous avons saisi les ministères qui devaient nous sortir lors de l'émission. Lors de l'émission est réellement sortie. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, la machine a bloqué parce qu'il n'y avait pas des fiches, il n'y avait pas des passeports. Parfois, c'était la machine qui causait le problème. Et ça a empêché à ce que nos athlètes participent. Mais moi, en tant que président, j'ai effectué quand même des déplacements pour l'Afrique du Sud. J'ai assisté au championnat. Et nous avons reçu une seconde chance, c'était de faire participer, ne fût-ce que certains athlètes au niveau du championnat mondial au Japon. Ouais. Presque la même chose s'est passée, parce que cette fois-là, maintenant, c'est au niveau du ministère des Sports, où le ministère des Sports a été trop lent dans la réponse, parce qu'il fallait qu'on ait un nombre d'émissions en rapport avec... avec ces déplacements. Disons que le traitement du dossier n'a pas été... Oui, ce que nous déplorons, au moment où nous avons des athlètes et un staff qui est prêt à aller participer, il aurait fallu que le ministère des Sports fasse son travail, c'est-à-dire juste nous signer un ordre d'émission, ça a été une chose très très compliquée, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça nous a fait rater. Nous avons tenté avec l'ambassade du Japon. Oui. Il y a eu une autre difficulté parce que la plupart de nos athlètes n'ont pas de passeport. Okay. Ils n'ont pas de passeport. Et les passeports devaient provenir de l'État congolais à travers le ministère des Sports et le ministère des Affaires étrangères. Ce qui a empêché à ce que nous puissions participer ou assister, parce qu'il y avait aussi une autre option d'assister au championnat mondial. Alors, vous avez dit que vous-même, vous êtes encore pratiquant jusqu'à ces jours. Est-ce que les athlètes congolais sont en mesure, techniquement, de défendre les couleurs du pays en cas de participation au niveau de compétition internationale? Bon, si j'ai dit oui, j'aurais peut-être tort. Si j'ai dit non, j'aurais peut-être tort. L'occasion qui était devant nous était l'unique occasion pour aller essayer et constater. Au niveau national, nous avons des champions. C'est ce qu'il faut. Nous avons des champions au niveau national. Il fallait que nos champions se déplacent pour aller compétir avec d'autres champions pour que moi, en tant que président de la fédération, je puisse les évaluer et conclure et tomber sur des conclusions. Maintenant, là, il faut continuer à les préparer
pour l'année prochaine. Et c'est là que je viendrai vous dire que maintenant, ce qui s'est passé, c'est ça parce que nous invitons, vous savez, dans les sports, et il faut toujours éviter de chanter la victoire avant. Il faut d'abord qu'il y ait l'affront, et c'est après l'affront que les dirigeants sérieux tirent les conclusions. Alors, en vous entendre parler, c'est comme si le blocage, ce n'était pas tellement au niveau des finances, mais c'était au niveau des démarches administratives. Qu'est-ce que les autorités doivent faire aujourd'hui pour vous faciliter un tout petit peu la tâche? Donc, il y a un problème très sérieux. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler que du sport parce que nous ne toucherons pas d'autres domaines de la gestion du pays. Pas la politique. Dans les sports, il y a la politique. Ouais. Pas celui qui gère les sports. Et là, et sur pied de la politique, okay. On ne peut pas nier. Mais ce qui se passe est que nos ministres parfois oublient que ce sont nos serviteurs. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire un ministre, moi quand je deviens ministre, je me dis que je deviens un serviteur. Le ministre n'est pas un patron, il n'est pas un chef. Le ministre, c'est celui qui a l'oreille à l'écoute de ceux pour qui il est dans ses bureaux. Il ne nous reste plus que une minute à peu près. Oui, je parle dans deux minutes. L'actuel ministre dit qu'il est prêt à servir pour toutes les disciplines. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu à entrer en contact avec lui à temps pour rester? Nous avons écrit, la procédure la plus administrative, c'est écrire. Ouais. Nous avons demandé les rendez-vous. Il nous a invités, nous sommes arrivés, il ne nous a pas reçus parce qu'il fallait que les directeurs de cabinet nous ressortent. Les directeurs de cabinet nous ont reçus, mais il n'y a pas eu de solution parce qu'il fallait juste écrire. Il fallait juste une lettre qui nous permet d'avancer. Vous comprenez? C'est qu'elle ne nous met pas à l'aise. Et puis nous ne sommes plus à l'étape des discours, des promesses, de dire que non, nous ferons, nous sommes prêts à faire ceci. Il y a un relâchement total et les fédérations souffrent sérieusement. Et vous êtes là dans une émission de sport. Quelle est la discipline qui évolue? Parce qu'on va parler de Kyokushin peut-être, mais quelle est la discipline qui peut faire la fierté aujourd'hui dans notre sport congolais? Basket. Non, je vous dis que tous les sports ont un problème sérieux. Maître Frédéric Kwamba Tshingez, président de la Fédération congolaise de Kyokushin Kaïkan, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Et donc, nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau. Voilà, et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition de Digital Sport. On se retrouve très bientôt sur les antennes digitales pour notre télévision. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.